Comme tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la bonne humeur, la patate, mes petits coms. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, mon Drôme de Life. Allez, c'est parti. Je suis né en France, à Cholet, le 25 août 1997. Ici, et oui, c'est tout petit, hein. Mais c'est bien, et c'est Cholet. J'étais un petit bébé, très sage, très très sage. Un jour, ma maman est rentrée avec une nouvelle tétine, et j'en ai pas voulu. Ma tétine, c'était sacré, il fallait pas me la changer. Du coup, j'ai arrêté la tétine définitivement. En 2002, j'ai déménagé, c'était marquant cette date. Je suis arrivé dans ma nouvelle école, où je me suis fait plein d'amis. Mais alors, plein d'amis, l'avantage de l'école primaire. En CP, à l'âge de 6 ans, ma sœur est arrivée à la maison. Elle vient du Mali. J'étais trop content que la famille s'agrandit. Et en plus, elle est arrivée par les airs, c'est drôle, par ce petit oiseau. J'ai grandi et en 2008, je suis rentré en 6e. Ah, le collège. La cour des grands, mais aussi celle de tous les dangers. Vous allez comprendre pourquoi. L'année d'après, j'ai redoublé ma 5e, malheureusement. Jusqu'à la fin 4e, je me suis fait harceler, insulter, pousser, enfermer et critiquer par des gens pas très fut-fut. Un jour, j'en ai parlé à ma maman et elle a décidé de me changer de collège. Heureusement, ça a permis de repartir de zéro. En parallèle, j'ai commencé sur ma chaîne YouTube Antoine TV et j'ai découvert le monde de l'audiovisuel en 3e grâce à un atelier cinéma que j'ai adoré faire. C'était vraiment top, grâce à un ami aussi, Elias. Cet atelier m'a motivé à me lancer pour partager mes passions, notamment les passions que j'avais à l'époque de vous faire des timelapses et la vidéo. Je suis rentré au lycée Auguste et Jean Renoir en 2013, en seconde, à cour des grands. Des très grands, les amis. Ma période lycée s'est plutôt bien passée. J'ai eu mon bac technologique avec 11 de moyenne générale. Bon, plus précisément 10,80, je triche un peu. Mon père était tellement fier de moi qu'il m'a offert mon permis et hop, c'était parti pour un an de conduite accompagnée. Un an, les amis. Ma chaîne YouTube, elle, en parallèle, a bien grandi pour atteindre les 1000 abonnés. Un truc de fou pour moi à l'époque. Et encore merci les amis. Puis, j'ai eu mon permis. Et j'ai fait mon BTS, comptabilité gestion, pendant 2 ans. Vous vous rendez compte? J'ai rencontré Mohamed, Justine et Marie, des amis de BTS, avec qui on a fait un petit peu les 400 coups. Sauf que, bah, en parallèle, ma chaîne YouTube n'avance pas beaucoup, car les études me prennent beaucoup de temps. Et niveau vie privée aussi, j'ai rencontré ma copine. Et donc aussi, moins de temps pour me consacrer au reste. Je recommence les vidéos avec Quentin sur ma chaîne YouTube, avec les amateurs, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et à l'époque, on avait le Made in Pays de la Loire comme émission. Et nous avons fait la rencontre de Monsieur le maire d'Angers. Un truc de fou pour moi. Aujourd'hui, je reviens avec l'envie de vous faire plaisir et surtout de me faire plaisir, ce qui est l'essentiel, les amis. Voilà, ceci est mon histoire. Merci à Émilie, ma copine, pour ce magnifique dessin. C'était formidable de pouvoir vous raconter tout ça. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt, mes petits coms. N'oubliez pas de vous abonner. Des bisous. Ciao, bye bye. Peace.